Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de chasser des poules. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des poules de Fortnite chapitre 3 saison 1. Mais moi ce que je vous conseille c'est de vous rendre près de Daily Boggles, donc vous allez fouiller par ici et vous remontez le chemin comme ceci et vous allez voir jusque là pour voir s'il n'y a pas de poules, donc même jusqu'ici. Et si vous trouvez pas de poule, bah, il faudra relancer la partie parce que c'est des spawns aléatoires. Donc parfois elle spawn, parfois elle ne spawn pas. Donc déjà pour réaliser ce défi, il va falloir trouver une poule, déjà en premier lieu. Et il vous faudra aussi une arme parce que vous allez devoir tuer des poules. Donc pour les tuer, il vous faudra au moins une mitraillette parce que les tuer au corps à corps, ça va être compliqué. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher une arme. Ah parfait, j'en ai trouvé une. Enfin, j'ai trouvé un coffre, donc logiquement, il y a une arme, parfait, il y a un sniper. Et là, regardez, normalement, il y a une poule tout près de moi. Je l'entends, voilà, elle est juste là. Voilà, elle est juste là. Et ce que vous allez devoir faire au total, c'est de tuer 10 poules. Donc hop, voilà, là, j'en ai tué une. Je lui ai fait 99 de dégâts, nickel. Et là, ce que vous allez devoir faire, bah, c'est trouver 9 autres poules pour terminer le défi. Et dès que vous aurez tué 10 poules au total, bah, là, vous aurez terminé le défi et vous aurez débloqué les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile et si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Swakulo Mike et ciao. Peace.